Le temps d'attention du poisson rouge dans son bocal a été calculé par Google à 8 secondes. Et le temps d'attention, mais de la plupart d'entre nous, c'est 9 secondes. On est en train de devenir des poissons rouges enfermés dans notre bocal. Mais notre bocal, c'est nos écrans. Il y a eu une étude qui disait qu'au-delà de 30 minutes passées par jour sur les réseaux sociaux, la santé mentale des plus jeunes était menacée. Et sur le téléphone portable en France, on n'y passe pas loin de deux heures et on pense que ce temps va doubler d'ici deux ans. Bon, Est-ce que ça nous rend fous Sans doute un peu, en tout cas ça nous rend dépendants. Le dormeur sentinelle, c'est celui ou celle qui dort en fait avec son téléphone portable allumé en mode veille auprès de son lit et qui dans un demi-sommeil plusieurs fois par nuit, le consulte pour voir si quelque chose est arrivé. C'est celui qui ne dort jamais vraiment parce qu'il est toujours, lui aussi, en mode veille, comme l'est son téléphone portable. La nomophobie, c'est mobile phobia, c'est euh, l'incapacité absolue qu'on a d'être sans son téléphone connecté. L'incapacité qu'on a à le poser, à l'oublier ou à ne pas le consulter. Le fnubbing, ça vient de phone et snubbing, c'est-à-dire je snub les gens qui sont autour de moi parce que je me consacre à mon téléphone. Regardez le, les temps de repas que vous pouvez avoir entre amis, en famille. Le fnubbing, c'est typiquement je consulte mon téléphone portable alors que euh, tu es avec moi, que tu me parles et pourtant, toute mon attention est attirée vers cet écran. Il y a un syndrome plus compliqué, presque prédépressif, qui s'appelle l'assombrissement. C'est quand vous commencez à avoir l'habitude de rechercher ce que fait un profil, un hein, de vos amis en ligne. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le suivre, de le traquer, de savoir ce qui se passe. On parle d'assombrissement parce que petit à petit, ça vous euh, écarte de la réalité de la vie pour vous plonger dans une sorte d'obsession quant au comportement de cette personne en ligne. Au début, euh, les réseaux sociaux, euh, tous ces outils-là, nous permettaient d'avoir plusieurs identités et c'était une liberté. c'est une liberté qui nous est donnée mais de temps en temps cette liberté nous entraîne vers la schizophrénie de profil c'est à dire qu'on a tellement d'identités différentes qu'on ne sait plus très bien se situer soi-même par rapport à ces profils là il y a un syndrome qui s'appelle l'atazagoraphobie c'est la peur d'être oublié dans les réseaux que nous occupons elle se manifeste par un contrôle permanent quant à savoir si vous avez été liké si vous avez été chéré donc partagé euh, si à un moment donné on vous a retweeté euh, si on, on a commenté vos photos ou autres et quand euh, ça n'est pas le cas, alors vous avez l'impression de subir une sorte de bannissement et vous avez l'impression d'être oublié par vos pères. C'est juste une machine qui vous oublie, ce n'est pas vos pères. Une grande partie des réseaux marche de la même façon qu'une machine à sous dans les casinos. Elle se fonde sur le mécanisme de la récompense aléatoire. De temps en temps, vous avez quelque chose qui vous satisfait, de temps en temps, quelque chose qui vous indiffère totalement, et parce que ça alterne tantôt une récompense, tantôt du rien, finalement, vous êtes en consultation permanente de ces outils.